Ça fait quand même 10 ans que le programme de petites initiatives a été lancé. Donc on est content de fêter un anniversaire. 10 ans, c'est pas rien. Je crois qu'il y a pas mal de chemin qui a été parcouru et l'idée c'était de rassembler, je crois qu'ils s'étaient réunis jusqu'à présent seulement au niveau régional. Donc l'idée c'était de faire vraiment une grande rencontre de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et c'était quand même important aussi de profiter de cette rencontre pour capitaliser, changer les expériences et puis nourrir un petit peu sur un certain nombre de thèmes où les ONG sont en demande, où on pouvait leur apporter éventuellement un petit peu d'appui. Donc profiter de cette rencontre pour aussi approfondir certains sujets. Pour moi, l'objectif principal, c'était qu'on voit si vraiment le réseau fonctionnait, la famille PPI, comme on dit, la famille de toutes ces ONG qui ont bénéficié à un moment donné depuis leur début d'existence d'un PPI, pour voir si cette famille était réelle ou si c'était juste un réseau de papier. Et en fait, c'est plus qu'un réseau, c'est vraiment une communauté, mais une communauté d'acteurs. Je crois qu'on n'est plus du tout dans la volonté de faire du participatif, ça c'est acquis. Les gens participent, les gens sont vraiment dans la consultation, la concertation, la prise de décision ensemble. Ça c'est acquis, mais l'envie de faire se rejoindre des enjeux d'environnement, de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité, avec des défis énormes de développement local et de développement de qualité de vie. Et je crois que ça, c'est nouveau aussi. Cette envie d'aller au-delà de juste des actions charitables et de partir sur de l'émancipation d'acteurs. Ça, c'est très intéressant. Si on pouvait, on renouvellerait ça tous les ans, mais il y a eu une forte demande, oui, que ça se renouvelle périodiquement, peut-être pas tous les ans, parce que c'est un peu compliqué à organiser, un peu lourd. Mais au terme de 2-3 ans, nous, on est demandeurs. Après, il faut trouver le moment, le lieu, la fédération d'énergie. Mais ça peut se faire, oui. Je pense que tous les 3 ans, c'est pas impossible. Et ça serait vraiment sympa de voir en plus le chemin parcouru depuis aujourd'hui. En tout cas, on se souviendra de l'IMBE.